Salut les amis! Allez, aujourd'hui on va faire la tenue qui est sur la miniature. Première chose, on va récupérer les chaussures. On sera en la caisse, la flèche de droite. Va sur les tenues, combinaison de voltige. Moi je vais récupérer les rouges et noirs. Ah, elles sont comme ça aussi, ou noir et rouge, et là c'est les mêmes. Ah non, t'as lacet blanc ou lacet noir. Et ben nous on va prendre lacet noir. Ok, c'est fait. Là, on va faire flèche de droite, carré, je vais les enregistrer en merge. Terminé. Ensuite, je me rends à la caisse. Je fais style tenue. Je remets la C1. La C1 qu'on a faite à la partie 4 de cette série. Partie 1, partie 2. On a récupéré des éléments en codage. Partie 3, on a fait le gilet de PDG. Partie 4, on a fait la C1, la C des logos. Donc, maintenant, ce qu'on veut, c'est bugger les pieds. Donc, je me rends. Je clique bot. Non, attendez. Je vais d'abord aller dans chaussures de skate. Je mets les skates grises. Je fais carré. Et je l'enregistre en C2. Ensuite. Chaussures de skate, on peut rester dessus, on fait pas de chaussures carrées, on enregistre en C1. Terminé. Voilà. Ensuite, on va faire pavé tactile. Style. Parachute. On prend sa carnet classique. Et on fait avec. Allez, j'ai monté en ligne sur la console numéro 2. Une fois que c'est fait, je mets la C2, je redescends en mode histoire. Voilà, c'est fait. Maintenant, on fait de retour sur la console numéro 1. On fait pavé tactile. Style parachute. Et on retire le parachute. Le sac harnais classique. Rond de sauvegarde orange en bas à droite. On fait option en ligne, quitter GTA Online. En mode histoire, on fait option en ligne, jouer GTA Online. Moi je vais lancer session sur invitation, mais on peut très bien aller en session publique. Allez, go! Allez, arrive en session publique. Puisque cette console n'est pas suspendue, c'est la console numéro 1, donc on peut aller en public. La console numéro 2, c'est la console suspendue, on va surtout pas en public avec. Ensuite, on fait option. En ligne, activité joue, activité favori, mission, et je lance un point G. Facile, tenue du joueur. Confirmer. Invitation auto. Mes amis, amis qui jouent à GTA 5, je reprends quand m'a rejoint. Allez, il y a Drax qui a rejoint, on fait jouer. Flèche de gauche, flèche de droite, prêt à jouer.
C'est bon, on a récupéré les chaussures. Allez, je reprends l'appartement. Allez, arrivé à l'appartement. On court au point bleu. On rentre dans l'appart. On court à l'armoire. Allez, arrive à l'armoire, on fait flèche de droite, carré carré jusqu'à avoir les tenues. On écrase la C1. Terminé. Allez, je reprends en session invitation au magasin. Je vais me suicider bien sûr. Pour pas trop quitter d'activité avec le téléphone et être un mauvais joueur. Voilà, donc c'est fait. Retour au magasin, pavé tactile, style tenue. On rééquipe la C1 et on voit qu'on a récupéré les chaussures. Donc maintenant je vais lui remettre la correspondance du casque. Donc nous ce qu'on veut c'est un casque rouge. Pareil, on se rend sur le site de Silent, on regarde la correspondance. Donc je me rends dans les chapeaux. Je fais flèche de droite. On descend sur les casques de biker. Arrivé sur les casques de biker, on voit que le casque est vert pour l'avoir rouge. Alors on cherche le casque qui est ouvert, c'est celui-là. Casque rond vert, carré, je l'écrase en C1. Terminé. Rond. Ensuite, on se rend dans les hauts. Donc nous ce qu'on va faire c'est un jersey rouge. Alors pareil, on se rend sur le site de Silent, on regarde les correspondances, on voit que ça se passe dans les gilets. Ensuite on voit que c'est le gray check vest. Donc on voit que le gilet est gris à carreaux. Alors je le cherche. Donc c'est celui-là. Donc on l'équipe, on fait carré et lui on l'enregistre en C11. Terminé. Ensuite on fait flèche de droite, on se rend dans label tout en haut, flèche du haut. On équipe le dernier là, celui-là. Donc X, carré. Lui, je l'enregistre en C22. On. Donc moi, ce que je vais faire, je vais enlever le casque. Je vais faire style, accessoire. Je vais enlever les lunettes et le casque. Ah, pour aller plus vite, je vais aller dans les lunettes. Je vais faire lunettes, pas de lunettes. Voilà. Ensuite, je refais pavé tactile. Style, accessoire, chapeau avec sang. Je vais à la caisse. Flèche de droite carré. Je réécrase la C22. Terminé. Ensuite, pavé tactile. Style, je rééquipe la C11. Je vais refaire accessoires, chapeau avec sang. Je vais dans les lunettes, lunettes, pas de lunettes, carré, et je la réécrase en C11. Voilà, c'est fait. Je vais quand même aller lui enlever les bracelets, donc je vais dans accessoires poignet, aucun carré, je réécrase la C11. Terminé. Ensuite,
style tenue, je rééquipe la C22. Je vérifie qu'elle n'ait pas d'accessoires poignée. Aucun, c'est bon. Elle est tactile, style. Je remets la C11. Ron, ron, ron. Ensuite, on va à la caisse. Flèche de droite. On va sur tenue standard. On équipe la première tenue standard. Là, le flip, il se fait avec les lunettes. Alors, on fait pavé tactile. Style. Accessoires, lunettes. Donc, on va les enlever. Ron, ron, ron. C'est bon, j'ai un rond de sauvegarde en bas à droite. Donc maintenant, je vais monter en ligne avec la console numéro 2 en session sur invitation. La console suspendue. Arrive en session sur invitation. Je mets la C22 et je redescends en mode histoire. Voilà, c'est fait. De retour sur la console numéro 1. Je fais pavé tactile. Style, tenue. J'équipe la C11. Ron, ron, ron. J'ai un rond de sauvegarde en bas à droite. C'est bon. Maintenant, je fais option en ligne. Cliquez GTA Online. Là, j'arrive en mode histoire. Option en ligne. Joue à GTA Online. Allez, je remonte en session sur invitation. Allez, de retour en session sur invitation. On voit que c'est bon. J'ai récupéré mon jersey rouge. Donc, je vais à la caisse. Je fais flèche de droite. Carré. Et elle, je l'enregistre en C22. Ensuite, je me rends dans les hauts. Flèche de droite. Je vais dans les vestes de survêtement. Voilà. Ensuite, je me rends sur le site de Silent. Je vais regarder la correspondance. Moi, ce que je veux, c'est qu'il reste rouge. Donc, je vois que la veste de survêtement est bleue. Là, on peut rien mettre avec des cadenas. Et elle est toute bleue. Donc, c'est celle-là. Je fais X. Ensuite, je fais rond. Après, je vais dans les t-shirts de designer. Je mets le t-shirt à motif noir. Ensuite, je fais rond, rond. Pavé tactile. Style tenue. Elle, je l'enregistre en. Ah, je me suis trompé. Faut que je le refasse. Donc je remets ma C22. On en était là. Pardon. Donc allez, je retourne dans les vestes de survêtement. Donc je remets la bleue. Je fais rond. Je retourne dans les t-shirts de designer. Je remets le t-shirt à motif noir. Je fais rond, rond. Pavé tactile, pour transférer le gilet, je vais dans inventaire, protection, j'affiche la protection lourde, là je fais flèche de droite, carré, et elle je l'enregistre en C11, terminé, ensuite rond, 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 ensuite moi ce que je veux, c'est un gilet rouge, donc le gilet rouge nous on l'a déjà fait, donc je vais faire style tenue. Je vais équiper la biker. Voilà, si vous ne savez pas faire un gilet, le gilet rouge, allez sur la partie bif où je fais la vidéo biker et puis regardez comment j'ai fait pour changer la couleur du gilet. Ensuite, je fais rond, rond, rond. Flèche de droite, carré, L, je l'enregistre en merge. Terminé. Ok. Allez. Ensuite. Pavé tactile, style tenue, je rééquipe la C11.
Voilà, on va dans parachute. Cette fois, on met le sac carnet Israël puisqu'on fait les hauts. Et on fait avec. Ron, j'ai pas de rond de sauvegarde. Alors on va forcer le rond, style parachute. Allez, gauche, droite, plein de fois. Ron, c'est bon, j'ai forcé le rond de sauvegarde en bas à droite. Allez, je vais monter en ligne. En session sur invitation, la console suspendue, la console numéro 2. Je mets la C22, je redescends en mode histoire. Allez, de retour sur la console numéro 1. Pavé tactile, style parachute. On retire le parachute. Ron. On vérifie qu'on a un rond de sauvegarde, c'est bon. Option en ligne, quitter GTA Online. Mode histoire, option en ligne, jouer à GTA Online. Non, jouer à GTA Online. Session sur invitation et ensuite j'irai en public puisque j'ai pas d'amis connectés. Allez, arrivé en session publique, je fais option en ligne, activité, joue activité, favori, mission et je lance le point G. Facile, tenue du joueur. Surtout que des inconnus, on met bien facile, toujours en tenue du joueur. Ça, c'est obligé. Ensuite, confirmer. Mutation auto, tous les joueurs de la session actuelle, mes amis, au cas où il y en a un qui se connecte. Je reprends quand on m'a rejoint. Gauche, droite, prêt à jouer. Dans l'appart. De droite, carré, 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 et j'enregistre au merge. Terminé. Allez, c'est bon. Allez, je vais me suicider et je reprends session sur invitation au magasin. Allez, de retour au magasin, j'ai équipé la tenue 20, la tenue merge, donc je vois que c'est bon. Donc rappelez-vous que si vous savez pas faire le gilet en rouge, vous allez sur la vidéo biker rouge, celle que j'ai faite dans la série Beef, et puis vous faites le gilet, et puis voilà. Ensuite, pavé tactile, style, on va vérifier la C1. Donc la C1, c'est bon, on a les correspondances. J'ai juste pas confiance en ces lunettes, alors je vais les changer. Bon, là, je vais mettre celle-là. Ensuite, je vais faire carré, je vais réenregistrer la C1, terminé. Ensuite, ronron, ensuite pavé tactile, style tenue,
on équipe là ces deux logos. On va lui mettre les correspondances, donc du jogger et des gants. Donc pareil, on se rend sur le site de Silent, dans les trucs, ça se passe. On voit que c'est le tri en pêche pixel, donc on l'équipe. Une fois que c'est fait, on se rend dans les gants. On voit que c'est les tactiques marron pixel, donc on les équipe, on fait carré et on l'écrase dans ces deux logos. Allez, moi je vais la réécraser à la caisse, je préfère. Carré, ces deux logos. Terminé. Allez, ensuite, paille tactile, style tenue. On équipe sa C1. On va dans parachute. On met le sac carnet Israël. Donc là, comme j'ai eu un sauvegarde, un rond de sauvegarde il n'y a pas longtemps, j'essaie de le forcer tout de suite. Je fais rond, rond, rond. C'est bon, j'ai un rond de sauvegarde orange en bas à droite. Donc je vais monter en session sur invitation avec la console numéro 2. Je mets là ces deux logos et je redescends en mode histoire. Voilà, c'est fait. Maintenant, je me rends à la caisse. Flèche de droite, lunettes, pas de lunettes, j'enlève les lunettes. Ensuite, pavé tactile. Style parachute et je retire le sac carnet Israël. On sauvegarde en bas à droite, c'est bon. Je fais option en ligne, quitter GTA Online. Allez, j'arrive en mode histoire. Arrive en mode histoire. Option en ligne, choix GTA Online, session sur invitation et ensuite j'irai en public. Allez, de retour en session sur invitation, on voit que tout s'émerge comme il faut. Allez, maintenant je fais option, j'ai pas d'amis connectés, donc je fais en ligne, trouver nouvelle session, session publique. Allez, arrive en session publique, je fais option en ligne, activité, jeu activité, favori, mission, je lance un point G. Arrive au point G, facile, tenue du joueur. Confirmer paramètres. Invitation tôt, tous les jours la session QL. Mes amis, amis qui jouent à GTA 5, je vous reprends quand m'a rejoint. Allez, gauche, droite. Prêt à jouer. L'appartement. Allez, Pentos. Allez, on court à l'armoire.
Flèche de droite, carré. Moi je vais l'enregistrer à la place de Jersey vert. Je vais l'appeler Jersey rouge. Terminé. Voilà, c'est fait. Allez, je reprends au magasin. Allez, arrivé au magasin, je fais pavé tactile. Style tenue, je rééquipe la jersey rouge. Donc voilà, c'est bon. On voit que la tenue est full. Donc là, je vais la réenregistrer à la caisse. Moi, je préfère. J'ai pas confiance au point G. Je l'écrase. Sur jersey rouge, je vais terminer. Ensuite, je vais forcer un rond de sauvegarde. Parachute avec 100. Rond. Pas de rond de sauvegarde. Pavé tactile. Style. Parachute. Je le fais plein de fois. Rond. Tout pas de rond de sauvegarde. Pavé tactile. Style. Je veux mon rond de sauvegarde. Parachute. Je refais. Allez, ron. C'est bon, j'ai un rond de sauvegarde. Donc voilà les amis, la tenue est finie, la tenue de jersey rouge est complète, la tenue est full. Donc je vous dis à plus dans le bus, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, likez, partagez cette vidéo, ça donnera de la force à la chaîne. Allez, ciao les petits potes.